les choucrouloutes, c'est Lupina pour un nouvel épisode du Bad Challenge créé par Niska34 que je fais en duo avec Elantia, hein, parce qu'il faut bien corser un peu le truc. J'ai une angine de malade, alors je suis désolée si je parle un petit peu moins ou quoi que ce soit. Puis pour bien faire, j'ai un rhume aussi qui commence. Qu'est-ce que c'est que ça? Plant d'épinard. Mais c'est nul les épinards, Elantia. Bon, alors on est vraiment dans la dèche de thunes. Mais la grosse dèche, va falloir y remédier, donc je pense qu'on va supprimer des trucs. Ah putain, c'est horrible cette angine de merde. On va supprimer des trucs, déjà on va supprimer les chaises hautes, hein, parce qu'on se sert pas des chaises hautes. On va retirer la télé et le canapé pour mettre un bureau à Jean-Kévin. Hop, ça, voilà, si on peut... si je fais des grimaces, c'est parce que j'ai mal, hein, cherchez pas. Regardez, il y a la maman et les petits. J'adore tes cadeaux, Elantia, mais il nous faut de la thune. Regardez, voilà, ça va beaucoup mieux. Ça, on va laisser celle-là. Et puis, du coup, les épinards. Alors, Elantia, je t'explique. Tu mets ça dans la terre et tu jettes le pot. Et voilà, on a un peu plus d'argent. Donc, idéalement, faudrait qu'on commence à faire des chambres pour les deux chiards là. Donc, on va essayer de faire une petite chambre. Bon, alors c'est très mauvais, hein. Pour le moment, c'est une maison un peu pourrave. Bon, c'est pas grave. C'est juste le temps d'avoir un peu d'argent, le temps de de rebondir, quoi. Ça risque d'être un peu long au début, donc j'espère que vous êtes patient. Et puis si vous n'êtes pas patient, bah au pire, tant pis, hein. Donc au moins que les parents aient un tout petit peu d'intimité, ce serait pas mal. Bon, là, faut passer par la chambre, mais c'est pas grave. Ce sera toujours mieux que comme ils sont actuellement. Il n'y a pas une lampe murale, là? Ouais, ça. Allez, hop, voilà. Bon, du coup, c'est mieux. C'est mieux, ça me perturbe un petit peu moins. Merde, j'aurais pas dû faire ça, en fait. J'avais dit qu'il fallait un PC pour Jean Mou. Oh, faut que j'arrête de l'appeler Jean Mou, en plus, parce que je vous explique, j'avais fait un beauf aussi, et moi, je l'avais appelé Jean Mou. Et du coup, Jean Mou, à jamais dans mon cœur. Bon, bah, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que... comment ils vont? Ok, donc elle a grave soif. Bah tiens, il y a Caleb. Caleb, youyou. Elle a grave soif. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va lui faire aller chercher des plantes. J'espère vraiment qu'elles ont poussé ces connasses parce que commence à en avoir ras le cul. Ah, super, super. Regardez, ils ont tous poussé. Enfin, enfin. Bon. Attendez, 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 il y a une meuf là, il y a madame beige mais truc là, vampire. Ah oui, alors j'ai l'EMC parce que j'étais en train de faire un autre truc sur une autre série, donc vous inquiétez pas, je ne l'utilise pas. Allez, on va l'obliger. Ah, c'est parti. La première victime de machine, Maroua. Alors, je sais pas d'où c'est originaire, Maroua, mais franchement, je risque de pas retenir. Si vous savez d'où c'est originaire, dites-le moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il a, lui? Fatigué. Oui, bon, on va le mettre au lit. Mais ce gosse, il est relou, mais tellement, tellement relou. Allez, hop, va mettre le petit... oui, par contre, monsieur, tu peux dégager. Tu parles pas à ma fille, s'il te plaît. Dégage. Casse-toi. Tout de suite. Non mais oh, il s'est pris pour qui, lui? Ok, Caleb. Merci de bugger comme ça. Allez, tu couches avec ton homme et tu nous fous la paix après. Alors, on en était où avec nos plantes? Ah, est-ce que Elantia a vendu les grenouilles? Ah non, c'est cool. Bon alors ça on vend. Hop.
Voilà, regardez, ça commence, on commence à avoir un peu d'argent. Il y a une petite pierre là. Ah, mais il y a d'autres trucs ici. Oh, des murs! Putain, elles sont où? Près de la grosse maison. Alors, les murs mettent très longtemps à pousser, c'est pour ça. Moi, ce que je fais en général. Oh, il y en a deux, c'est super. Ce que je fais en général, c'est que je mets des fleurs. Enfin, pour le jardinage, je mets des fleurs. Et je mets aussi bah, des murs. Enfin, des murs. Attendez, je vais la refaire parce que vous avez sûrement rien compris. Moi-même, je me suis pas compris. En gros, je mets les murs et pour pallier au fait qu'elles poussent très lentement, je mets aussi des fleurs. Voilà, mais pas n'importe quelle fleur, des fleurs comme des roses ou des trucs comme ça. Mais l'idéal, ce serait qu'il y ait un marché des épices là. Ce serait vraiment cool ça. Il n'y a pas l'air d'avoir de marché aux puces. On va tout supprimer ici. Ah, mais il y a un autre truc ici. Cool. Du coup, on va vendre tout ce bordel. Qu'est-ce qu'ils font Ah, ok. Bah écoute, va aux toilettes, hein, et puis après tu vas remanger les macaronis. Non, il n'y a plus de macaronis. Bah tu vas cuisiner des macaronis. La meuf, en fait, elle passe son temps à bouffer des macaronis pour essayer de la faire grossir parce que franchement, elle est tellement mince. Et toi, tu vas prendre ça. Mange la salade. Elle a un peu grossi, non? Elle a l'air d'avoir un petit peu grossi. Pas des masses, mais un peu. C'est, je vais la faire devenir obèse. Moi, j'en ai rien à foutre. Ouais. Super. Hop. Et après, toi, tu nettoieras tout ça. Est-ce que c'est bon, mamzelle? Elle aussi, elle est mince, hein. Franchement, elle est toute fine. Je sais pas comment. Ouais. C'est vraiment pas mon style. Hein. Je vais dire ça comme ça plutôt, ça passera mieux. Bon, voilà. Je sais plus quand c'est le marché des épices. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vraiment beaucoup joué aux Sims. Enfin, dans une famille normale, j'entends. Et toi, tu veux combien? 10. Bon bah je te vends. Hop, ok, donc on note près de la grosse maison là. C'est la maison. C'est chez qui? C'est chez les Munch. Ok, donc chez les Munch, il y a des murs. C'est parfait. C'est parfait. Par contre, je sais plus où on habite. Bah attends, on va voir le chemin. Niaong. Sans ordre l'orientation, zéro. Allez, cours, Forest. Elle doit se divertir, la petite. Bah écoute. Ah oui, merde, en plus, on n'a plus de télé. Ah merde, elle brûle. Vite, vite, rentre. Vite, vite. Oh putain, j'ai eu peur. Bah attendez, on a un peu d'argent. Est-ce qu'on ne prendrait pas un petit bureau à monsieur. Monsieur. Je vais y arriver. Monsieur Jean-Kevin, voilà un petit PC de merde comme ça et une chaise pourrie mais qui servira. Voilà. Alors tu vas jouer à Vive les Sims comme ça t'occupe. Toi, si tu peux encore manger, allez, prends une portion, prends une portion, prends une portion. Voilà. Ah, les bambins. Oula. Prends une portion, choupette. Et toi aussi, la petite terreur, là. Le relou. Et le gosse. Oh, le gosse, oh my god. Mais il a pas fait ses devoirs. Bah bravo! Bah bravo, c'est honteux. Honteux. En plus, il doit avoir un A, lui, je crois. Oh, oh là là, le bordel. Le bordel. Allez, au pire, c'est pas grave, il ira.
il ira manger à l'école, c'est pas trop grave. Et toi, le divertissement, c'est bon? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Attendez, j'ai dit deux fois à la gamine de prendre à manger ou ça se passe comment? Oui, bah non. Le petit. Ah, il peut aller sur le pot tout seul, ça c'est cool. Et la petite, elle va aller jouer empilée, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Alors, bonjour, je vous contacte au nom de l'entreprise machin. Nous aimerions vous envoyer un exemplaire gratuit, blablabla. Ouais, vas-y. Vas-y si tu veux. Lui, là, il va aller prendre une douche. Il a pas maigri, hein, Jean Mou, hein, Jean-Kévin. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Non, mais va à l'école, chouchou. Allez, toi, tu vas te faire des amis. Hop. Chouchou, va à l'école, mène-toi le train. Il est buggé, on adore. Allez. Voilà, et révisez assidûment. Madame, tu vas tout nettoyer, s'il te plaît. Il y en a partout, c'est dégueulasse. Et toi, t'es ici. Tu vas aller courir. Allez, go. Tu peux y retourner, mon vieux. Il y a encore du travail, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a, la petite? Quoi? Oh là là, on a marre des cubes. Oui, bah, c'est la vie, hein. Bah, écoute, va dormir, hein. Voilà. Sale gosse. Et toi, le petit, est-ce que tu peux y aller? Aller sur le pot. Bah, vas-y. Alors, professeur stressé, le professeur doit sortir un moment pour prendre un médicament. Il demande aux élèves de rester calmes. Bah, lis. Voilà. Tu lis un livre. Et puis, Osef. C'est quoi ça? Quel mot? Oh là là! Pour répondre à la question, Marois a utilisé des mots interdits. Ok, le professeur est encore sous le choc. Oh bah punis-la, elle nous fait pas chier, franchement. Le mec, il nous appelle pour savoir comment faire son job, quoi. C'est ouf! Tu te démerdes! Tu te démerdes, monsieur! Allez, va nettoyer les chiottes! Bon! Bah, on va encore la faire manger. Je m'en fous. Je veux qu'elle grossisse. C'est mon objectif principal, la faire grossir. La pauvre meuf, elle passe son temps à bouffer des macaronis, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je veux qu'elle grossisse. Sinon, on s'est donné un petit objectif en plus avec Elantia. Excusez-moi, ça me gratte l'oreille. Ce serait que peut pas y avoir, enfin, les bambins peuvent pas rester tout seuls. C'est-à-dire que devra toujours y avoir quelqu'un sur le terrain pour les surveiller, même si on les surveille pas vraiment. Hein, c'est juste histoire de. Voilà. Allez, mange plus vite. On va s'occuper du machin là, des épinards, même si on s'en fout un peu. Bon, alors vous avez vu, on avait plein de thunes, on n'en a plus. Bon, bah tant pis. C'est la vie. C'est la vie. Après, on a un PC, donc c'est très bien pour Jean Mou. Merde, il doit aller au travail. Fonce. Va au travail, connard. Va bosser. Oh là là, travail dur, hein, parce que là. Franchement. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle est fatiguée. Non mais bah, c'est bon. C'est qu'elle est. Bon. Enlever la nourriture gâtée, vas-y. Elle est vraiment crevée de ouf. Oh là là, c'est quoi ça? Bon, ensuite j'irai prendre une douche. Parce que bon. Mais du coup, je sais pas trop si elle a grossi. Je pense qu'elle a un peu grossi, mais c'est pas encore ça. Elle a peut-être des sous-vêtements, on pourrait regarder si. Si elle a grossi ou pas. Alors, on va recuisiner des macaronis et après,
Après, je te libère, promis, tu pourras aller te coucher. Le bébé, il a quoi? Il est fatigué. Bah écoute, va te coucher, gamin, hein. Nous fais pas chier. Et toi alors, va sur le pot. Allez, go. Voilà, elle a fait à manger, c'est parfait. Oh, il reste 4 dollars. Et l'anti, elle va me tuer. Il reste 4 dollars. Bon, du coup. Ça, on supprime. Oh, c'est sérieux, ça apporte autant les... Mais c'est trop bien. Ça, on va vendre. On va vraiment vendre quasiment tout, en fait. Attendez. Je réduis le mur que j'avais agrandi à l'épisode précédent. Comme ça, on met ça ici. Les cubes. C'est chiant. Les cubes. Là. Hop. Voilà, les cubes, on va les mettre ici. Qu'est-ce qu'on peut retirer d'autre? Bah c'est bon, là, ça fait déjà vraiment... vraiment vide, quoi. C'est dégueulasse, leur maison, les pauvres. Bon. Du coup, c'est bon. Attendez, la table n'est pas centrée. Ça va pas du tout. Ah, d'accord, c'est même pas une table, je me suis fait avoir. Ah non. Bah, tant pis. Tant pis. Voilà, bon, on laisse ça là alors. Bon, du coup, j'attends qu'ils aillent se coucher. Allez, dépêche-toi de faire caca, toi. J'attends qu'ils aillent se coucher et après, je pense que je vais mettre fin à l'épisode. Qu'est-ce qu'elle a? Elle nous fait chier, la petite. Hein? Tu nous emmerdes. Va dormir. Voilà, toi c'est bon, tu vas pouvoir ranger et au lit. Voilà. Ah du coup j'ai pas regardé si elle était un peu plus... Ouais, pas trop. Hein. Oh, ça va être galère, j'ai l'impression que c'est plus dur à aller faire grossir que maigrir. Bon, sur ce j'espère que l'épisode vous aura plu, même si je bafouille et que... j'ai l'air complètement KO, je ne le suis pas, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que je suis malade. Sur ce, le prochain épisode aura lieu sur la chaîne d'Elancia, comme d'habitude. Ouh, Elancia! Je vous envoie plein de cœurs et de paillettes, et salut!